été éduqués par des parents anarchistes qui n'ont jamais voté. D'accord. Oui, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, mais je peux pas. Et moi, j'ai été éduqué par des parents cathos et je vote pas catho. Je peux pas. Si je me consacre vraiment à lutter, je serais déjà mort. Non, mais voter, ça prend 2 heures. Hein. Ouais, non, mais c'est pas long. Hein. Et j'ai un problème, hein, je te jure, avec ça. J'ai tué plein de mecs. Ça va, les points. Nous sommes actuellement, je me rappelle plus du nom, en Italie, au bord de la Méditerranée. Et oui, nous allons faire une petite excursion avec notre ami Seymour et Choco. Nous allons aller manger des fruits de mer. La section percussion. Vas-y, Zach. Savoir ce que ça va bien pouvoir changer dans la vie politique mondiale, notre présence ici, ainsi que la présence des soi-disant 100 000 ou je sais pas combien de personnes qui vont venir contre-manifester contre le G8. De toutes les façons, ces gens-là, ils vont prendre leurs décisions, tranquille, pépère. Rien ne va les empêcher de changer la face du monde s'ils le veulent. Je sais pas. Je me pose des questions, c'est tout. Ah, domani vamos a hacer un concierto seguramente, que todos los fondos serán para el contra el G8 y después participar el 19 en la manifestación de inmigrantes. Ellos son 8 y nosotros podemos ser muchos más. Je suis ni un tournevis, ni un putain d'écrou. Et que j'en ai marre de faire de la musique à la chaîne comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? On arrive en Italie, c'est toujours du plein air.
pour en bourrer au maximum. Les Italiens, ils communiquent pas, ils ont des keufs juste devant chez nous et il y a une putain de croix accrochée au-dessus du buffet. No, bueno, que lo siguen clavando ahí. Está clavadísimo el tipo. Hace 2000 años lo siguen clavando y seguirán clavándolo y lo seguirán clavando. ¿Eh, Julio? Que hace 2000 años el tipo todavía está clavado y todavía no lo sacan de la cruz esa, ¿no? Eso es una farsa. Eso es una farsa. Carlos, connaissant rien à la vie, ce mec-là. Et bon, alors. Et autre chose que ça, c'est la vida que fumar en la calle, ¿sabes? Más importante, además. Mamá. Quelqu'un qui s'était gaufré la gueule, qui était tombé sur le sol. Mais genre fort, quoi. Toi, je dis, il y a une bagarre, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Ah ouais. Donc, je suis sorti pour aller voir ce qui se passait. Et quand j'ai ouvert la porte, comme ça, j'ai vu Bidji qui se ramenait, qui était tout blanc, et Momo derrière, avec le stocker. Et tout le couloir, il était tout blanc. Partout. Le sol, on voyait plus rien. Et moi, quand je les ai vus arriver comme ça, j'ai flippé, je voulais pas prendre le stinker dans la gueule. Je me suis retourné pour rentrer dans la chambre et je me suis mis la poignée de la porte dans la... Ah, tu t'es accroché tout seul. Je me suis accroché tout seul, mais à déjà. Rolling, 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 r
Oh, yeah.